à Blanc-Mesnil en ce mercredi 27 août 2014 pour commémorer le 70e anniversaire de la libération de la Libye. Nous allons vous guider tout au long des festivités afin de vous faire vivre l'histoire de cette libération. 6h10. Alors, il est 18h10, nous sommes actuellement situés sur le square Stalingrad pour filmer les festivités. Elles ont commencé ce matin par la distribution dans la ville du journal Le Blanc-Mesnil Libéré, que nous vous présenterons plus tard, puis avec la projection d'un film Diplomatie de Volker Schlondorf à 11h, au cinéma Louis Daquin situé sur la place Gabriel Péri, auquel nous n'avons malheureusement pas pu assister pour vous en parler. C'est du square Leningrad que doit partir le défilé de véhicules militaires qui traversera la ville. La population est conviée à participer au défilé. Elle recevra des drapeaux français, britanniques et américains, exactement comme cela s'est passé il y a 70 ans. Comme vous pouvez le voir, enfin, je ne sais pas si vous le verrez mieux au défilé, en fait la population est habillée à la mode des années 40 afin de reconstituer l'ambiance du 27 août 1944. Vous avez entre autres le maquisard des forces françaises de l'intérieur, le soldat de la 2e division blindée, l'aviateur britannique, le GI américain ou encore le Zazu. Nous allons maintenant suivre le défilé de véhicules militaires qui va sans doute partir, je pense. Ils sont en train de se mettre en place gentiment. Voilà. A noter quand même que c'est l'association Univen qui a permis de reconstituer le patrimoine historique de cette époque. Je veux parler des véhicules militaires qui étaient en service pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui ont aidé les divisions blindées françaises et alliées à combattre l'armée allemande. On s'arrête là pour l'instant. Là, on va... C'est bon. Le passage de Monsieur le maire. On va sur les Monsieur le maire de Blanc-Mesnil est installé, vous pouvez vous passer dans un char qui nous quitte. Hop là. Ça passe. Ça passe. Ça passe.
je ne sais pas de qui il s'agit, mais ils ont la cocarde. Non, c'est pas la cocarde, c'est le... L'écharpe, ouais, quoi. L'écharpe, oui. C'est le début du défilé militaire. Hein. Nous sommes toujours bloqués au square Stalingrad parce que, comme vous voyez, les rues sont un peu bouchées. Il y a pas mal de monde, faut dire. Un sacré bolide, ouais. Pardon pour l'image qui tremble un peu, hein. Filmer en marchant, c'est pas évident. On va tout devant. Ouais. Comme ça, on prend d'avance. Alors, nous marchons pour essayer de prendre d'avance. Tu m'étonnes. Nous tentons de prendre de l'avance. Alors nous sommes toujours dans la rue Eugène Lemoine, hein. Ça bouchonne. Le maire, il va arriver avant nous, il est dans le... Monsieur, il est caché là. Sur la rue, je crois que c'est la rue Barbus, celle-ci. La rue entre le Nez et Drancy. Pardon pour l'image un peu floue. Alors nous sommes toujours sur la rue Henri Barbus, sur la rue Henri Barbus. Et malgré la circulation, j'essaie d'être au plus près de l'événement.